la Commission électorale nationale autonome face aux partis politiques. Au cours de cette séance, le calendrier électoral est dévoilé. Un calendrier qui couvre la période comprise entre le 11 janvier et le 23 mai 2021. 80 activités qui vont de la publication et l'affichage de la liste électorale permanente informatisée entre le 27 janvier et le 10 février 2021. L'enregistrement des déclarations de candidature du 1er février au 4 février 2021. Nous serons à 50 jours de la date de démarrage de la campagne électorale. La publication de la liste définitive des candidats les 22 et 23 février 2021. À la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats en lice, opération prévue pour le 22 mars 2021. Le président de la Sénat invite toutes les parties prenantes au processus à y prendre leur part de responsabilité. L'organisation de ce processus électoral n'est pas seulement une affaire de la Sénat. Il s'agit d'un processus qui engage l'ensemble des parties prenantes, à savoir les partis politiques, les animateurs de la société civile, les responsables des institutions impliquées dans le processus électoral et l'ensemble du peuple béninois. Les chances de succès de ce processus électoral résident dans le fait que chaque parti joue pleinement son rôle. Le processus conduira à terme à l'élection d'un président et d'un vice-président de la République. Mais pour être élu, il faut avoir été candidat. Le dossier de candidature doit contenir certaines pièces citées au cours de la séance. Les pièces communes au duo sont au nombre de 3. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions au niveau du trésor. À cela s'ajoutent 7 pièces individuelles. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur, nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité, nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire, et une copie légalisée de l'extrait date de naissance, quatrième pièce, cinquième pièce certificat de résidence, sixième pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années. Donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin, la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Il est demandé également aux partis politiques de travailler au maintien de la paix et au déroulement normal du processus par leurs verbes et leurs actes pour une élection présidentielle apaisée dans les près de 546 coordinations d'arrondissement.